Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester et goûter, bien sûr, pour la première fois à l'extérieur dans un restaurant qui s'appelle le Chipotle. Eh bien, de la nourriture mexicaine avec tout d'abord des burritos. Il y en a trois différents avec trois viandes différentes. Il y a du poulet très peu épicé, il y a du bœuf moyennement épicé et il y a du bœuf très épicé. Il y a également, vous voyez, du guacamole que j'ai pris. On va goûter ça. Et pour le guacamole, il y a également des petites tortillas. Donc on va pouvoir se régaler. Et bien sûr, une petite margarita qui accompagne parfaitement tout ceci, à consommer avec modération, bien sûr. Et là, la petite sauce tabasco de Chipotle. Regardez, c'est écrit dessus. Et ce restaurant se situe à La Défense, à Paris. Voilà. Waouh, un cadre magnifique, ma foi. Alors, c'est parti, on commence. Alors, commençons par le poulet qui a beaucoup de sauce. Voilà. J'ai pas pris mon gros couteau parce que La Défense, ça serait un petit peu risqué avec ce qui se passe en ce moment. Donc, j'ai pris un petit couteau en plastique. Donc, bien sûr, on va couper. Alors, attention, je coupe. Comment ça se présente? Hop. Et voilà, donc ce sont des petits morceaux de poulet qui sont découpés en cubes avec du fromage. J'ai pris trois sauces différentes, trois viandes différentes, du fromage râpé et du fromage en sauce qui accompagne chacun des trois burritos. Et maintenant, je vais déguster ça. Attention, je goûte. Excellent. Excellent, le fromage très tendre. Il fond sous la langue presque. Excellent. Bon, bien sûr, je vais tout manger, hein, mais je vais goûter au fur et à mesure avec vous. Je recoupe un morceau. Alors, regardez le poulet. Je crois que le poulet est plutôt sympa. C'est vrai qu'il est peu épicé, celui-ci. Ok. Maintenant, je vais goûter le guacamole avec quelques tortillas ici. Voilà le guacamole. Alors, les tortillas, est-ce qu'elles sont bonnes? Je coupe. Ah, ça se casse bien, mais on voit que c'est pas de l'industriel. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air. Je goûte. Ah, je sais pas, c'est pas industriel, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Pas du tout le même goût. Le guacamole. Voilà, gros morceau d'avocat. Regardez, attention, je goûte. Ça, c'est du guacamole excellent. Ah, si vous n'avez pas encore goûté le restaurant Chipotle, allez-y. Maintenant, je vais goûter le moyennement épicé que voici. Voilà, donc c'est du bœuf. Comment ils appellent ça? Du bœuf barbacoa, un truc comme ça. C'est pas ça, mais ça ressemble à ça. Regardez, ce sont des petits morceaux de bœuf effilochés, on va dire. Voilà, et ça, c'est moyennement épicé. Donc, je vais goûter déjà le bœuf, même pas besoin de le couper. Regardez. Sympa, hein? Allez, je goûte. Mais c'est pas épicé du tout, en fait. J'ai l'impression que j'ai un peu inversé les deux. Mais c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Par contre, la sauce, normalement, est un petit peu plus épicée. Alors, je goûte ça. Non, ça c'est beaucoup moins épicé que ça. Mais normalement, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver juste après. Par contre, je peux corser le tout en rajoutant du tabasco chipotle. Déjà, je vais le goûter à part. Hop là, oh là là. C'est pas super liquide. C'est pas super liquide, donc je vais pouvoir le goûter facilement. Allez, je goûte. Ah oui, quand même. C'est pas le tabasco d'origine, mais il est quand même assez fort. Ça arrache pas mal. Donc j'aime un petit peu, voilà. Comme ceci, et je vais pouvoir goûter avec la sauce ce magnifique petit bœuf. Je goûte. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est fort. Ok, et maintenant je teste le plus fort, celui qui arrache normalement. Donc c'est le plat le plus épicé, le bœuf le plus épicé. La sauce, je sais pas. Déjà, on va goûter le bœuf. Regardez, petit morceau de bœuf, je coupe. C'est dur à couper. Le bœuf n'est pas super tendre. J'ai l'impression qu'il a été un peu mariné plutôt longtemps, un peu comme un pot-au-feu, j'ai l'impression. Voilà, donc je goûte. Il y a encore un autre bœuf chez Chipotle qui est le bœuf charolais, qui doit être beaucoup plus tendre, mais celui-ci est plutôt style viande pot-au-feu et pas avec des morceaux les plus maigres. C'est pas mon préféré. Et le pire, c'est que il arrache pas. Je goûte la sauce. La sauce arrache un peu. Mais le bœuf, un peu déçu. Un peu déçu par celui-là. Je pense que le bœuf charolais aurait été un meilleur choix. Mais par contre, le poulet et le bœuf, dont je ne sais plus le nom, qui se présente sous forme de petits morceaux effilochés, excellent. Ok. Et maintenant, je vais, bien sûr, déguster cette petite margarita. Regardez, ils ont rajouté le sel tout autour. Voilà, on le fait à la mexicaine. Bien sûr, à consommer avec modération. Pour la première fois sur Miam Food, je goûte
de l'alcool, mais voilà, ça va avec le repas. Voilà, c'est pour ambiancer le tout. Donc, à la vôtre, je goûte. Avec le sel, c'est très étonnant. C'est la première fois que je bois une margarita avec du sel. C'est une très très bonne idée. Je regoute. C'est très surprenant parce qu'il y a le sel qui donne soif et tout de suite après il y a la margarita. Waouh, très étonnant. Et attendez, je reviens avec la surprise pour clore cette vidéo. Ça va arracher. Et voilà, deux autres petites sauces tabasco. On va commencer par le tabasco sauce poivre vert. D'abord, je vais goûter sur mon couteau. Voilà, regardez ça. Je goûte, un petit peu peur. Il arrache plus que le chipotle. Et maintenant, le tabasco. Celui-là, normalement, je pense que c'est l'original. Donc celui-là, arrache. Original, beaucoup plus liquide. Bien sûr, je vais goûter. Je connais, donc j'ai peur. C'est le pire des trois tabasco. Celui-là, il arrache bien. Je vais reprendre un petit peu de guacamole, parce que là, j'ai la bouche en feu. Et je goûte le guacamole. Et on va se terminer là-dessus. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo dans un restaurant, ce qui change, eh bien, dites-le en commentaire, laissez des petits pouces bleus, partagez. Et puis voilà, je vais mettre un petit sondage, cliquez sur le i en haut à droite, si vous voulez revoir des vidéos dans des restaurants, comme ça, pour déguster des choses. Et puis comme ça, je vous écouterai bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Miam Food. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.